Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une petette démo du Banyankoi X21 avec la Valkera G2D et la Firefly 8S. Donc, sous cette vidéo, je vous mettrai les liens du drone, de la nacelle et de la caméra. Donc, la caméra qui est une caméra qui peut filmer en 4K à 30 images. Seconde, donc elle est super bien. Donc là, par contre, je l'ai mis seulement en 1080 à 60 images secondes. Ça va être bien suffisant. Et puis, on va voir comment ça se comporte. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une batterie rapportée à la Valkera, hein, histoire de ne pas prendre trop sur l'autonomie du drone. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai calibré le drone, j'ai mes satellites, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis un peu essoufflé comme d'habitude puisque je viens en vélo. Alors on va y aller. J'ai 18 satellites, donc ça devrait le faire. Voilà. Décollage auto. Donc tout va bien. Alors, il faut savoir que cette caméra a un gyroscope en fait, hein, donc ce qui lui permet de stabiliser l'image s'il y a des légers tremblements. Donc ça, c'est pas mal. Allez, on y va, je vais aller faire un petit tour, hein. On verra ce que ça donne. Faut aller du côté de la route, ça c'est interdit. On va monter un peu. Là, vous le voyez certainement plus. On verra au niveau gélo ce que ça donne en fait. Il soulève parfaitement la GoPro, la nacelle G2D, pardon, et la caméra Firefly. Je vous donnerai les poids après. Là, on va relâcher doucement le pitch. On va le laisser se stabiliser du côté du village. Donc je ne peux pas régler le pitch de la caméra, malheureusement, hein, c'est pas prévu, hein, voilà. Mais bon, voilà, ça vous permet de faire des films avec un drone pas très cher. Après, voilà, faut aimer un petit peu bricoler. C'est sûr qu'au final, vous n'aurez pas
la qualité d'un fantôme, mais bon, au final, ça va vous coûter presque aussi cher. Mais bon, c'est, voilà, c'est, si vous voulez vous amuser un petit peu, c'est pas si mal. Vous savez que ce drone est quand même livré avec une caméra, hein, normalement. Un retour vidéo. Simple, malheureusement. Voilà, donc après ce petit stationnaire, je vais le faire revenir vers moi. Donc on verra en descente, hein, je ne le fais pas descendre trop rapidement, mais justement ça nous permet de voir la stabilité du drone et les éventuelles vibrations, hein, parce que quand on descend comme ça, on a souvent des vibrations quand on filme. Voilà, allez, je le ramène vers moi. Voilà, notre Bayang Toy, j'espère que ça filme toujours. Alors ce que je vais faire, eh ben on va engager un circle point. Alors il va monter un petit peu normalement. Ah ben est-ce que j'ai peut-être 1000 follow me? Ah oui, j'ai 1000 follow me. Ah ben on va faire du follow me après tout. Hein. Donc ben voilà, hein, vous avez le drone qui suit, hein, il n'y a pas de problème. Donc il se balance un peu, donc on verra la vidéo ce que ça donne. Mais il me suit, hein, je vais courir un petit peu, ça me fera faire un peu de sport. Allez, je regarde plus, c'est le film qui doit me voir. Enfin, c'est la caméra qui doit me filmer, je veux dire. Toujours là, hein, y a pas de problème. Hop là, il se stagne. Bon, la caméra joue bien son rôle, hein, la Valkera est une bonne nacelle stabilisée. Hein. Donc ça, c'est la version. Vous avez donc la version plastique, qui est peut-être un peu moins fiable que la version aluminium, mais qui est beaucoup plus légère. Allez, je vais retourner. Donc il fait un follow me, donc il ne se retourne pas. Hein, il recule. C'est pas mal en fait, hein. Ça marche aussi. Allez, on va voir. Ah, je le dépasse, hein. Je vais plus vite que toi, mon coco. Allez, vas-y. Ah là 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 là, t'es paumé, mon gaillard. Oh, il s'est mis. Oh, il est bien mis là. Génial. Oh, il fonctionne pas mal. Hein. Allez, recule encore un peu. On va lui faire un circle point maintenant. Voilà. On va laisser se restabiliser. Là, en théorie, il devrait entamer un circle point. Je vais me mettre peut-être un peu plus loin. C'est bizarre, il ne veut pas me faire mon circle point. Et non, il ne veut pas faire de circle point parce qu'il n'a plus assez d'autonomie. Donc qu'est-ce que va faire le drone? Il va se mettre en return to home, retour à la maison. Il va se poser. Et là, moi, tout content, bah, je m'en fous. J'ai une autre batterie, super. Sauf que, ben non, j'ai pas d'autre batterie. Parce que je l'ai oublié à la maison comme un gros con. Alors voilà, donc je suis obligé de mettre un terme à cette vidéo inopinément. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau test peut-être avec notre Bayang Toy ou un autre drone. Allez, salut, à la prochaine.